Notre Dieu est digne de louange. Amen. Il est digne d'adoration. Amen. Dis amen. Amen. Dis à quelqu'un juste à côté, je crois à ton miracle. Dis à quelqu'un, je crois à ton miracle. Dieu t'assoit. Notre Dieu siège dans la louange. Il siège dans la louange. Dis à quelqu'un, je crois. Regarde une fois dans les yeux et dis je crois ton miracle. Amen. Salut tout le monde de Jésus. Amen. Je la réplique, mon personnage des activités après ce jour. Un nombre de gros. Mais ça absente pour quelques temps. Pratiquement deux semaines, je réponds les activités. Je vous disais comme ça, je suis plein d'énergie et je crois tellement que Dieu. Amen. Amen. Je crois à la puissance de Jésus. Je crois à cette puissance encore capable de guérir. Amen. Capable encore de te guérir. Amen. Je crois que Jésus te guérira aujourd'hui. Amen. 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 Pourquoi la présence de Dieu? Amen. Amen. Élie la Kanima, Matoto Kata, Lomo Aya. Elie na konima, matoto bata kolo mayao. Kamo suyoni ma, matoto bata kolo mayao. Ojawa na konima, matoto bata kolo mayao. Kamo suyoni ma. Yeah.
C'est ma prière, je demande au Seigneur de nous aider à nous organiser davantage parce qu'on a vraiment besoin de ça. On a besoin de nous organiser, ça nous fatigue souvent. Amen. Amen. Parce qu'il dit, c'est pas n'importe qui doit adhérer au ministère. C'est ça le problème aussi. C'est pas n'importe qui. Nous combattons la sorcellerie. Il y a des gens qui étaient venus comme des agents de Satan. Ils sont arrivés ici comme des agents de Satan. Ils n'ont pas résisté, ils sont partis. Donc c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas, qui doit adhérer à ce ministère. Nous prions Dieu pour que Dieu nous envoie des éléments. Ce n'est pas vraiment facile. Et souvent, nous avons sur des problèmes au niveau de l'extérieur, à cause de cette histoire, de, même de Skype. Je déborde, j'ai plus de 700 000 amis sur Skype. Donc, pendant que j'ai envie de parler d'une personne, il y a au moins 10 personnes, 20, 100 personnes qui sont en train de m'appeler à la fois. Et ça m'épuise. Or, nous avons démarré une activité au niveau de l'Europe, où on avait commencé déjà à faire les délivrances au travers des Skype. C'est comme ça, souvent Dieu nous explique, on le fait. Et puis du coup, j'ai dû interrompre ça parce que souvent les gens ne me comprennent pas. C'est vrai, par contre, je les comprends, mais il faudrait que les gens me comprennent. Et que passer même 5 minutes du monde de Skype en train de parler avec lui, c'est beaucoup. C'est pas comme si tu l'orgueil, mais je suis un homme de terrain. Pendant que je donne un rendez-vous, j'ai pu avoir une urgence qui peut m'empêcher de répondre à un rendez-vous. Or, les gens pensent que c'est une question de bureau. Où le prophète a dit à 8h, il faut qu'il soit là à 8h. Moi, je suis un peu d'esprit. Pendant que je suis en train de parler, la dernière fois, le pasteur Abisha est venu. J'ai dit merci au pasteur Abisha qui est rentré sur Abidjan, qui va s'apprêter, qui s'apprête bientôt pour prendre son vol pour aller aux États-Unis. Il venait là juste de nous rendre visite. C'est ça qui est le plus important. Moi, quand quelqu'un m'invite, et qui prend le soin de venir voir chez moi, et en contact avec certaines personnes, et qui me rassure de certaines choses par rapport à mon voyage, moi, je m'engage librement. Amen. Amen. Voilà, je ne vais pas revenir sur les choses passées. Voilà, on n'a pas pu répondre à l'invitation de M. Assoumou parce qu'il avait très mal organisé. Or, derrière ça, il y avait un système.
qui devait moi nuire à mon image, nuire au ministère. Or, Dieu a déjoué sa main. Et c'est pour ça que je suis devenu très intelligent. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive à chacun, doit tirer une leçon. Je suis devenu prudent. Je parle beaucoup, non? Maintenant, je suis délivré. Amen. Vous allez apprendre le matin, le prophète est parti, il parle là-bas, il dit, je reviens trois jours sur Moïse. Oui, parce que je dérange. Le ministère dérange. Vous savez, vous pouvez fréquenter un ministère où le monsieur peut même rentrer dans les détails, dans les moindres, même dire le nom de ton grand-père, ta grand-mère. Et puis, il n'aime pas te délivrer. Nous, on appelle ça le maraboutage. C'est des charlatans. Or, l'objectif d'une révélation de te délivrer, c'est de te sortir de la situation. Oh, par moment, d'autres, le prophète n'a pas parlé. On ne sait pas parler. C'est vrai, quand il s'agira de parler, je me laisse conduire par Dieu. Quelqu'un que Dieu utilise, il va localiser un canari, faire sortir un canari de terre. Quelqu'un, il prend toute une confrérie, que ce soit 100, 20 dans un village, il peut te détailler ta vie. Or, je ne suis pas là pour que les gens aient le regard sur moi. Or, au départ, je faisais ça, ça faisait que les gens, sans moi, ils ne pouvaient pas venir, ils ne pensaient qu'à Crasso, ils rêvaient que Crasso. Or, je vais à l'essentiel. Amen. Mais quand il s'agit de dire des choses essentielles, je dis, et je vais jusqu'à te délivrer. Or, nous, c'est un ministère de délivrance. Nous délivrons les gens. C'est vrai que c'est un ministère prophétique, mais je vais à l'essentiel, qui est la délivrance. Or, si Dieu me dit, va dans ton village, j'arrive dans ton village. Par moment, avec, vous savez, avec l'expérience du ministère, plus on avance en âge dans le ministère, on a de l'expérience. Amen. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je veux aller dans un village ou dans une famille, je prends garde même de dire des choses. Parce que je ne veux pas que le diable détruise ce que je vais entreprendre dans la famille. Parce que tu peux même balancer une révélation à une personne. Elle peut même détruire ça. Voilà, elle peut même détruire. Or, je rentre dans une famille pour aider. C'est ça notre ministère. Nous ne partons pas dans les familles pour délivrer des personnes. Nous partons délivrer même des personnes sorcières et tant même dans la famille. C'est ça notre ministère. Si je découvre que ta maman est sorcière, je la délivre. S'il faut que j'arrive chez toi, je vais arriver chez toi. Et je vais la délivrer. Je ne sais jamais faire des deals avec sorcier. Moi, sorcier n'est pas camarade. On ne peut jamais être camarade. Amen. Non, c'est pas, on ne peut pas être camarade sorcier. Et ils trahissent facilement. Donc, moi, sorcier n'est même pas camarade. Or, moi, je vois l'être humain qui est possédé de l'esprit de la sorcellerie. J'ai une autre manière de voir celui qui pratique la sorcellerie. On est pratiqué. Parce qu'il y a un esprit en lui qui pousse cette personne à pratiquer la sorcellerie. Or, moi, je vois une personne que je dois aider. Or, d'autres personnes qui perçoivent que telle personne est sorcière dans la famille, c'est fini. C'est vrai, je vous comprends. C'est vrai, comme cette personne. C'est vrai, je vous comprends. Mais moi, j'ai une autre manière de voir la chose. Quand je sais que ton père ou ta mère est sorcier, et je dois entrer dans la famille pour aller délivrer les gens, j'ai une autre manière de voir les choses. Je prends le temps de fermer de ma bouche. Et je dis, invite-moi en famille. Et quand j'arrive là-bas, j'ai dit, mamie, tu manges chair humaine. Amen. Il faut laisser ça, va te délivrer. Amen. Amen. C'est le don qu'il a reçu. Ça ne va pas. Au contraire, ça entende, ça grandit seulement. Ça ne guérit pas. Ça grandit. Au départ, on commençait les ministères itinérants, on a commencé dans les villages. Et puis Dieu a dit, je suis en train de faire soit quelque chose, c'est pour ça que je ne voyais pas, je ne fais pas d'être trouvé dans les villages. Je suis en train de faire soit quelque chose. C'est pour ça que je vais doucement. Amen. Sinon, chaque homme de Dieu a son ministère. Moi, mon don, c'est de délivrer et combattre la sorcellerie. Je l'ai vité dans ça. Je me réveille matin, j'attaque la sorcellerie. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Amen. S'il n'y a pas un sorcier, il peut me détruire. Je pense que quelqu'un qui dit non, un sorcier t'es masqué. Moi je vois sorcier. Si tu es agressif comme l'enfant, il s'est transformé en qu'on appelle en grenouille. Et sa langue, il a lancé sa langue. J'ai tapé sur sa tête. Je suis pas. J'ai un bébé. Amen. Moi je n'ai pas un cœur pour tuer l'homme. Non, mon cœur n'est pas fait pour tuer. Mais quand je suis dans une position où je me défends. Je ne tue pas, mais je me défends. Or, si j'étais foudroyé, on t'a tué, c'est ça. Sinon, je me défends. C'est ce qu'on appelle légitime défense. Je ne vais pas vous détruire. Comme tu m'as essayé, si j'avais lance-roquette, tu n'as pas pu amortir, que ça t'a allumé, ok.
c'est légitime défense. Dans le combat, c'est comme ça. Je me suis défendu, c'est tout. Elle débute ma main, tu m'amènes, tu lances, je dribble, tu lances, et puis tu m'attaques. Ok? Je t'attaque aussi. Amen. Si tu n'as pas pu attraper, c'est ton problème. C'est ce qu'on appelle légitime défense. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a vu les sorciers se sont tombés. Un sorcier vient un matin, c'est moi qui vais manger. On l'a payé 4 milliards, 400 francs. Il vient, il m'attaque. Pendant qu'il le prêche, il est tombé là. C'est comme ça. Chacun a son don. J'ai dit aux gens, mon frère, est-ce que vraiment, parce que tu es juré, est-ce que les sorciers, mais est-ce que Dieu les plus intelligents que chacun d'entre vous? Quelqu'un qui ne croit pas ne va plus lui donner un don comme ça. Est-ce qu'il dit aux gens, vous pensez que vous êtes plus intelligents que Dieu? Dieu connaît mon devenir, c'est ce qu'il veut devenir demain. Amen. Il a réfléchi à tout ça pour dire, tiens le travail. Amen. On a peur, il dit, mais vous parlez de Dieu, il est bête. Dieu n'est pas bête. Il a réalisé dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et puis il dit, lui, ça peut marcher, lui, tiens. C'est comme ça. Dieu, c'est un futuriste. Dieu, c'est un futuriste. Il a réalisé dans 10 ans, 20 ans. Moi, je sais comment j'ai fini. Et puis, j'ai bien fini. Amen. 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 Je n'ai pas peur de sorcier, hein. J'ai la protection de Dieu. Amen. C'est tout. Chacun a son don. D'autres peuvent voir, ils ne peuvent pas délivrer. Or, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la délivrance. Et c'est ce que nous pratiquons ici, c'est la délivrance. Nous délivrons les gens. Amen. C'est pas parler, puis t'exposer. C'est pour ça que par moi, je n'ai pas exposé la vie des gens dans les vidéos, parler. Il y a des gens qui veulent qu'on parle d'eux, qu'on dit qu'ils voient clair. Comme ça, il va expliquer. Et puis, c'est fini. L'objectif n'est pas atteint. C'est quoi? Rien. C'est ça que nous ne pouvons pas faire. Donc c'est bien le fait. Or, nous allons à l'essentiel de la délivrance. Nous délivrons les gens. La délivrance, c'est détacher, libérer une personne d'une situation. Amen. Tu vas beau parler, ok, mais la personne a un problème. Fais la sortie du problème. Amen. Voilà. Nous allons à l'essentiel. C'est pas babadé, 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 t'es là, ton papa est là. Ça, la charlatan fait ça. Mais charlatan ne délivre pas. Voici entre la différence entre nous et les charlatans. Eux, ils ne délivrent pas. Ils vont te révéler les choses, ils vont te parler des choses cachées, mais ils ne vont jamais te délivrer. Ils vont te dire, mais tu vas dire, c'est vrai, hein, mais ils ne vont pas te délivrer. Or, nous délivrons les gens. Amen. Alléluia. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Madame, comment vous appelez? Non, prenez Jésus. Ah. Vous avez porté Jésus, prenez, vous parlez, vous avez des Jésus. Vous avez commencé avec Jésus. Vous venez d'où? Vous êtes venu avec qui? Vous connaissez l'enfant? Oui, papa. Après, on va causer. Amen. Parce qu'il y a vu aussi des vilaines choses sur toi. Amen. Moi, c'est quand tu me provoques que je t'agresse. Amen. Pourquoi je t'agresse? Amen. Tu dis, ouais, tu dansais doucement. Bon, t'as yes. Non, je dis, non. Tu dis, ouais, tu dansais. Moi, je ne milite pas les gens, je délivre les gens. Amen. Quand on va se voir face à face, on va parler. Je suis le totem des sorciers. Amen. Vous me voyez là, je suis leur médicament. Quand ils me voient en arrêt, il fait un cauchemar, il se réveille. Amen. Quand un sorcier me voit, il se réveille. Parce qu'il a vu. Amen. Non, pas Jésus. Amen. Son totem. Amen. Il a commencé par totem, fini par totem. Alléluia. Pas Jésus, le totem des sorciers. Amen. Je te voyais qui dansait, je te dis. Je suis content, on n'a pas une danse. Pardon, madame. Si vous voulez que je parle, j'ai parlé. Parlez, papa. Hein? Parlez. J'ai parlé. J'ai parlé de quoi? J'ai dit, j'ai vu des vilaines choses sur vous. Parce que j'ai vu tout à l'heure. Tout en train de danser, dans mon lit, je n'ai pas voulu parce que ce petit-là, celui qui m'a agressé, il m'a dit stop.
Je ne sais pas qu'on est pas sorcier. Sorcier, ils ont fini ça. Il va nier jusqu'à tu vas l'attraper. Moi, il est sorcier qui ont gilé devant moi. Je ne suis pas sorcier, ils ont crié, ils sont venus les défendre. Et après, ils ont dit qu'ils sont sorciers. Parce que eux, ce qui les anime, c'est un esprit de mensonge. Ils ne vont jamais commencer par la vérité. Un vrai sorcier qui ne va pas par la vérité, il dit ment d'abord. Maintenant, c'est le détecteur qui l'attrape. Nous, on a détecteur. Quand il dit, il y a un détecteur. Vous avez les blancs? En Europe, les blancs créent un détecteur de mensonges. Zadi, son mensonge du village. Il y a des... Moi, j'ai dit aux gens, vos appareils là, ça ne veut pas prendre nos menteurs d'ici. Et pour les blancs, là, ça veut prendre. Les gens, ils me voient. Blanc crée ça. Blanc réfléchit quand il parle à la justice, quand on dit lui là. Là, appareil. Avec quand même il ment. Amen. Ça dit. Il ne peut pas attraper son mensonge. Or, ce qui caractérise les sorciers, c'est le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Pourquoi les gens regardent nos vidéos? Parce que je suis étonné de voir un sorcier parler. C'est ça. Ils sont poussés par la force de Dieu. Amen. Je veux parler. Oh, il faut que tu parles pour que tu sois délivré. C'est comme cette vieille là. Elle a grave cette vieille. C'est une dieuse à gage. C'est une sorcière. Pas une petite sorcière. Une grande, véritable sorcière. Mangeur d'âge. Elle est un dragon. On appelle ça Baba Meyambiko. Ici, il y a toutes sortes de personnes. Hein. Chacun vient essayer le prophète. Il y a des gens qu'on envoie spécialement pour m'essayer. C'est là quand ici, quand on l'a gradé. Mais ça, non, mais c'est mon territoire. Amen. Amen. Ici, il y a des gars 1000 vues. Arrivé là-bas, c'est 200 000 vues. Amen. Si vous regardez sorcier parler, vous allez avoir pitié de vous. Mais non, c'est la vie, elle n'a rien fait. Et pourquoi ceci? C'est la mensonge des tués. Les premiers à jurer, c'est le sorcier. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc jurer devant Dieu, là, ça ne leur dit rien. Ils ne croient pas en Dieu. La vie, elle a mis quelque chose dans la vie. Je vais expliquer ça après. C'est pour la mort, la mort. Moi, je parle doucement, mais je mets à l'essentiel. Je ne parle pas dans le vide. Tu dis, quand c'est moi, tu veux manger. Il faut ramener ce que tu as payé au marché. Alléluia. Amen. Et si nous ne suivons pas, les gens nous le délivrent. Amen. C'est les choses qu'on voit. On s'absente. Et qu'on les délivre. Parce qu'il faut aller à l'essentiel de la délivrance. Alléluia. Amen. On n'a pas eu de pleurer. Hein. Est-ce que vous savez que les pleurs, c'est le symbole de défaite? Madame, vous parlez vite. Hein. Elle a ce qu'elle a appris là. Tu vois, c'est quoi? C'est content. C'est moi qui dois la confirmer. Allez doucement. Je vais être abordé, je vais mettre tout de l'autre. Tu vas la demander. Dieu ne donne pas une révélation, il ne détruit. Ouais, voilà, j'ai commencé par petite révélation, ça attend déjà la peine. Alors c'est pour ça qu'il faut, il faut faire attention aux révélations. Être construit, on détruit. C'est pour ça que moi je mets à l'essentiel. Et qui s'en est? Oui. Souvent, quand on dit aux gens, le sorcier t'a déjà tué, l'aspect délivrant n'intéresse plus la personne. Comment la personne a attaché, comment elle va te mettre dans marmite, le sorcier l'a mangé avec Achiki Garba. C'est ce qui intéresse. Et quand tu vois la personne pleurer, elle se voit, le sorcier va manger ses oreilles. Souvent, c'est un couteau. Un couteau met du temps. D'ailleurs, on met un coup. On prend la tête, on tire le nez.
C'est pas toi qui m'expliquais. C'est pas vrai. Quand ils vont m'aider, ils m'insultent. C'est pas ta bouche, pas ma petite élève. On a du maïta de poulet. Il attrape ta tête, il mange. Depuis son cerveau, il dit ça. On est en train de boire quoi qu'elle. Or, quand tu dis à une personne, le sorcier est en train de te tuer, ça fait la personne panique. Or, si elle n'a pas la foi pour croire que Dieu a donné une révélation pour la délivrer, elle est un aspect tué. Et c'est ce qui va détruire la personne après. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'ai plus de 10 ans dans le ministère. L'enfer de Dieu, il y a plus de 10 ans dedans. Amen. Il y a plus de 10 ans que je suis dans l'enfer de Dieu. Là. Dans l'enfer de ministère, il y a plus de 10 ans. Donc je vais être doucement. Amen. Il faut construire la foi des gens. Il faut les amener à croire à leur délivrance. Il faut les amener à espérer à leur délivrance, à croire à la puissance de Dieu. Au lieu de les déstabiliser moralement. C'est pour ça qu'on va doucement. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici à être délivrées de la main du Seigneur. Il y a des personnes dites même mortes. Que Jésus-Christ a délivré, Jésus ne change pas, il a encore le mal. La vieille, viens ici. Cette semaine-là, on va attaquer la délivrance de ta fille. Est-ce que tu es d'accord? Jusqu'à un peu plus. C'est nous, madame.